Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce journal dont voici tout de suite les titres. La situation politique en République démocratique du Congo sera au menu d'une session extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les évêques de la CENCO et quelques acteurs politiques congolais vont pouvoir expliquer les raisons du blocage de l'accord du 31 décembre. Et pas seulement. Les sénateurs ont adopté ce lundi le calendrier de la session ordinaire de mars. Quatre nouvelles matières sont inscrites à l'ordre du jour. Chaque année, le 20 mars, on commémore la journée de la francophonie. Dans ce journal, l'évolution du mouvement créé à Hanoï il y a justement 20 ans. Invité du journal, André Ambena Eboula, il est capitaine de bateau, mais il a réfléchi sur un autre bateau. Il rêve d'un autre bateau moderne qui serait Made in Republic Democratic Republic of Congo. Merci de continuer à nous suivre, monsieur André Ambena. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes capitaine de bateau et vous avez réfléchi à la fabrication d'un bateau qui serait Made in Congo. Absolument, c'est ça. Nous sommes à vous dans un petit instant. Tout d'abord, cette nouvelle Conseil de sécurité des Nations Unies tient ce mardi une session extraordinaire consacrée à la situation de crise en République démocratique du Congo. Le gouvernement sera représenté à ses assises par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères chez Okitundu. La CENCO y sera également présente en la personne de Mgr Marcel Outebi, qui sera à la tête d'une délégation plutôt restreinte. Marie-Madeleine Kalala participera à cette session pour le compte de la société civile. Rendons-nous à présent au Kasaï central. Au moins 8 fosses communes ont été découvertes par les habitants de Chimbulu depuis le début de l'année. Ils les attribuent aux catastrophes survenues dans leur cité depuis l'affaire Kamuina-Nsapu. La MONUSCO dit avoir déjà transmis au gouvernement des informations concernant 10 fosses communes, 3 à Chimbulu et 7 autres à Nkoto. Mais continue la MONUSCO à documenter d'autres sites. Le gouvernement se dit informé de l'existence de nombreuses fosses communes et les impute aux miliciens eux-mêmes. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, il dément que les militaires puissent avoir creusé des fosses communes pour y enterrer des miliciens ou des civils. Mais hier, quelques miliciens de Mouenansapou, et c'est important, se sont rendus aux autorités. Élisée Mafou. Une lueur de paix se dessine à Kananga. Après avoir sémé la terreur et la désolation dans cette partie du pays, les miliciens de Kamuina-Nsapu se sont rendus aux autorités locales. À la grande satisfaction des autorités provinciales et de la population qui attendait avec impatience les retours de la paix dans le Kasaï. Une lueur d'espoir en termes de paix a commencé à se faire sentir suite à plusieurs contacts que l'autorité nationale, au nom de son Excellence Joseph Kabila Kabange, a pu tenir d'une part. Ce sont des échanges fructueux qu'a eu le ministre d'État et ministre de la fonction publique avec la délégation de la Banque mondiale. Sur la table des discussions, la situation de la réforme de l'administration publique en République démocratique du Congo et la mise à la retraite des agents de l'administration publique. 45 millions de dollars américains sont alloués pour accélérer le mécanisme pour cette réforme. Où nous avons discuté un certain nombre de prochains pas pour permettre le gouvernement d'aller en avant pour implémenter cette réforme qui est très importante pour le pays et pour l'administration, pour permettre le pays de se doter d'une administration énergétique, performante et composée par des agents des différents groupes d'âge. Nous avons également validé
un projet de financement additionnel pour permettre au gouvernement de mieux exécuter cette réforme. En discussion, c'est un projet de financement additionnel de 45 millions de dollars qui permettra au gouvernement de pleinement mobiliser un certain nombre de mécanismes, notamment une infrastructure de centres de formation, pour pouvoir former de manière continue les agents qui prennent des nouvelles responsabilités dans le cadre de cette réforme. L'objectif poursuivi par la Banque mondiale est d'aider la République démocratique du Congo à se doter d'une administration publique forte et performante. Nous sommes au mois de la femme. Numérica se fait le plaisir de faire la promotion de celle-ci, même si elle n'en a peut-être pas besoin. Il y a des femmes qui ont choisi des métiers autrefois réservés uniquement aux hommes. C'est à l'image des étudiantes de l'ISTA qui ont opté pour un parcours tout à fait atypique, du moins dans notre pays. Ange Makadi et Jires Chimak. À l'Institut supérieur des techniques appliquées, on y trouve généralement des hommes. Les femmes sont certes là, mais minoritaires. Habile et Sainty sont ces étudiantes qui ont voulu se démarquer dans leur choix universitaire. J'aimais bien, j'étais passionnée de l'aviation et je voulais bien me distinguer, voir comment gérer les avions et tous les autres. Et j'étais passionnée de l'aviation, on peut dire. Bon, l'aviation, c'est une passion pour moi, c'est ce que je dois dire. J'aime bien plus le tourisme, les avions et même les heures, c'est tout ce qui m'a poussée à faire. Bon, la passion, ça vient de partout, hein. On voit les avions passer à la maison, quelquefois quand on allait dans les aéroports, les films aussi. Toutes deux étudiantes en aviation civile, en troisième graduat, elles sont déterminées à achever ces études autrefois réservées aux hommes. Ouf, c'était pas évident en tout cas. Avec les hommes, tu vois, on est peu nombreux déjà. Dans la salle, comme vous avez vu, il n'y a pas trop de filles. Alors, c'était pas facile, c'était un peu gêneux quand même d'étudier. La majorité, c'était des hommes. Mais après, bon, c'est adapté quoi. Bon, c'est ça les difficultés de savoir que tu étudies plus avec des hommes. Tu vois, tu te sens pas trop féminin quoi. Certes, mais bon, voilà, c'est des points. Certes, c'est que ce qu'on nous enseigne là, c'est plutôt un clientélisme. Et ça ne dérange pas le genre, fille ou garçon. Ils peuvent le faire et ça sera bien. Je suis là, je ne ressens pas une fille. Voilà, je ne ressens pas une fille. Voilà. Bon, c'est toujours comme ça. Au début, ça a été difficile parce que c'est pas facile de s'admettre, que les garçons t'admettent au milieu d'eux. Et ils te trouvent un peu genre et tout. On dit d'ailleurs qu'ici, il n'y a pas de filles, mais on est filles. Et c'était un peu difficile parce que dans les quartiers, les gens se moquaient de nous, tu vas devenir un homme et tout, voilà. Mais je sais qu'on reste homme dans la pensée, mais... Tout comme à l'ISTA, il est également difficile de trouver la gente féminine dans d'autres institutions universitaires. Monsieur André Abena Eboulé, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de ces Congolais qui ne veulent pas faire du surplace. Et vous vous projetez vers l'avenir. Vous êtes capitaine de bateau, vous avez navigué pendant 37 ans. D'abord, est-ce que vous avez des souvenirs bons ou mauvais qui vous ont marqué durant ces 37 ans de navigation sur le fleuve Congo? Oui, en navigation, le mauvais souvenir, c'était le naufrage du PG-602 vers le kilomètre 1114. Parce que quand on est capitaine, on vous donne un convoi. L'objectif, c'est de l'amener entier à destination. À bon port. Voilà, ça c'est le mauvais souvenir. Et les bons, c'est l'opportunité que la navigation m'a donnée de pouvoir concevoir le bateau autonome. Très bien. De voir du pays également, puisque c'est extraordinaire quand on est sur le bateau de voir toute cette végétation qui se présente à vous. C'est très très beau. Je le dis d'expérience parce que j'ai fait aussi à un moment de ma vie beaucoup de bateaux. Alors, vous avez donc
conçu, vous avez rêvé, vous avez fait travailler vos ménages et vous ne l'avez pas mis au point, mais vous rêvez d'un type de bateau moderne qui n'ont jamais existé nulle part. Oui. Expliquez-nous, de quel bateau s'agit-il? On appellerait ça comment? Le bateau que je propose à la nation, c'est le bateau autonome. Le bateau autonome, c'est un bateau qui fonctionne au système de conduite en ligne, l'ISICA, c'est-à-dire un système hydropneumatique. Ce bateau, il n'aura pas besoin de carburant pour fonctionner. Il sera écologique, économique et très rapide. Comme vous le savez, monsieur l'ATG, pour inventer, il entre en conjugaison deux mémoires. D'abord, nous avons la mémoire intuitive, l'intuition, et la mémoire rationnelle qui sont les connaissances. En ce qui concerne le bateau autonome, les deux mémoires sont en conjugaison et ce qui m'a permis de concevoir ce bateau, le bateau autonome, qui va replacer notre pays dans l'orbite de développement. Comme vous le savez, aux années 1940 et 1960, notre pays était sillonné par des bateaux à vapeur. Ce sont ces bons bateaux qui ont amené la prospérité à notre pays. Mais malheureusement, avec leur transformation en bateaux à moteur diesel actuels, notre pays a régressé sensiblement. C'est pourquoi, en navigation, j'ai observé la force de l'eau et de l'air, ce qui nous a permis de concevoir un nouveau type de bateau autonome qui part de l'interaction de l'eau et de l'air pour obtenir la propulsion. Ce sera vraiment une première parce que notre bateau, comme nous l'avons dit, va naviguer sur toutes les rivières, le fleuve, les lacs et partout. Il va desservir les coins maintenant reculés et cela va permettre le redécollage de notre pays. Mais vous parlez de notre bateau, il n'existe pas encore, il n'existe d'abord que dans votre tête. Vous l'avez imaginé, on ne peut pas encore le palper. Oui, tout ce que nous avons, la télévision, les véhicules, la radio, ainsi de suite, sont les fruits de l'intuition. De même, le bateau autonome. D'abord, nous commençons à imaginer l'engin et nous l'appuyons par des connaissances rationnelles pour sa matérialisation. Voilà. Bon, alors ce bateau, vous le voyez, vous le rêvez, transportant combien de tonnes de charge? Ce bateau, comme l'élément prépondérant sera les compresseurs et les turbines, il peut transporter 150 à 200 tonnes de charge. Alors que les bateaux actuels transportent combien? Les bateaux actuels, tels que par exemple l'ITV Cocolo ou les gros pousseurs, ils peuvent transporter 2000 tonnes. Mais notre avantage avec le bateau autonome, ce sera d'abord son aspect écologique, parce qu'il ne va pas polluer l'environnement. Ensuite, sa vitesse, alors que les bateaux actuels font des voyages laborieux de 14-16 jours, nous, pour joindre par exemple, jours pour, oui. pour joindre Kinshasa Kisangani, 16 jours, alors que notre bateau, dans 2 jours, nous sommes à Kisangani. Donc, comme il ne va pas susciter des charges énormes d'exploitation, ce bateau sera accessible à la grande majorité de nos populations et des commerçants pour permettre les investisseurs de venir dans notre pays et ainsi replacer rapidement notre pays dans l'orbite de développement. Ça, vous avez cité quelques avantages. Est-ce qu'il y en a d'autres? La vitesse du bateau
c'est un élément très important. Parce que un bateau qui fait 14 jours, 20 jours de navigation, d'abord, l'équipage s'épuise. Et puis, les frets pour arriver, c'est après autant de jours. Prenons par exemple quelqu'un qui produit les safou ou les oranges, il ne peut pas les écouler facilement. Pourquoi ? Parce que ça risque de pourrir en chemin, en route. Mais avec le bateau autonome, même quelqu'un qui aurait des étangs à l'intérieur, il peut évacuer ses produits vivants, ses poissons vivants de l'étang au centre de consommation pour les écouler. Oui, mais les téléspectateurs doivent se poser la question, parce que malheureusement, souvent, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Mais qui est ce monsieur qui rêve d'un bateau aussi rapide que celui-là, qui, bien entendu, arrangerait tout le monde, alors que d'autres savants n'y ont même pas encore pensé? Vous, Congolais, vivant en République démocratique du Congo, vous rêvez d'une merveille comme celle-là? Est-ce que vraiment vous êtes crédible? Bon, je demande à mes compatriotes de nous faire confiance. Parlons de l'énergie pneumatique. Par exemple, en France, à l'époque, à Lyon par exemple, les locomotives fonctionnaient à l'aide de l'air comprimé. Donc c'est pour dire que l'air comprimé, c'est une énergie capable de produire des travaux énormes. Donc, nous autres, quand nous parlons de l'air comprimé, du système hydropneumatique, c'est suivant l'intuition que nous avons reçue et les observations nautiques que nous avons effectuées en navigation. En effet, pendant 37 ans de navigation, nous avons observé que l'élément eau, c'est un élément très puissant. Il en est de même de l'air. Comme vous le savez, le bateau, c'est un bâtiment spécial parce qu'il évolue en même temps dans l'eau et en même temps dans l'air. La partie qui évolue dans l'eau, nous l'appelons œuvre vive. Et la partie qui évolue dans l'air, nous l'appelons œuvre morte. L'interaction de ces deux milieux, deux fluides à masse volumique différente, nous permet de produire une poussée. Une poussée qui propulse le bateau vers l'avant. Oui, mais ne nous mettez pas de l'eau à la bouche alors que ça ne s'est pas encore matérialisé. Est-ce que vous avez pensé aux risques? Parce que tous ces bateaux qui naviguent, les ingénieurs, les inventeurs ont calculé les risques qu'il y avait, le minimum de risques. Mais est-ce que vous avez calculé des risques? Est-ce que vous êtes déjà mis en présence des ingénieurs pour étudier tout ça? Oui, s'agissant du bateau autonome, j'ai rencontré plusieurs ingénieurs. On a besoin de citer leur nom ici. Ils ont affirmé que l'idée est géniale et que ce bateau, il est bâti sur les bases des principes scientifiques et techniques solides. S'agissant des risques, il est vrai, avec une vitesse de 50 km/h, on craindrait qu'il y ait des vagues, puisque les bateaux monocoques, nos bateaux actuels, ils ont une seule coque, ils offrent plus de résistance à l'avancement. Quand ils atteignent déjà une vitesse de 10 à 15 km/h, il y a beaucoup de vagues soulevées. Alors que pour notre bateau, qui sera un trimaran avec trois coques, nous n'aurons pas beaucoup de vagues. Pourquoi? Parce que le bateau va absorber la grande partie, de deux tiers des vagues qui vont faire tourner cette turbine. Donc, l'autre risque, non moins important, c'est le risque de ramasser des jacinthes d'eau. Puisque en navigation... La navigabilité du fleuve laisse parfois désirer à voilà, certains moments. En navigation, avec cette vitesse, il faudra que la régie comme de voie fluviale puisse faire son travail, nettoyer le fleuve, les débarrasser des jacinthes d'eau et des snags. Les snags sont des branches immergées, coulées. Alors, ce n'est pas tout. Puisque nous allons faire des grandes vitesses,
il faudra à nouveau aligner les passes de navigation, c'est-à-dire les routes de navigation. Donc, avec une signalisation appropriée et rectiligne, puisque là, il n'y aura pas beaucoup de courbures pour naviguer. Voilà. Je reviens à vous dans un petit instant, juste le temps pour nous de prendre ces nouvelles sportives. De retour au pays après l'Assemblée générale extraordinaire élective de la CAF, le président de la FECOFA a tenu une conférence de presse aujourd'hui au siège fédéral de l'organe technique du sport roi dans notre pays. Dans son propos, Constant Omari a abordé plusieurs sujets, entre autres celui relatif au contrat de Florent Ibengué à l'élection à la CAF et à la suspension du championnat national. Voici un extrait de ce discours qui a été recueilli par Paul Kazozo. Celui qui est passé à Mad, c'est un grand ami personnel. Un grand ami personnel. Je crois qu'il est venu ici une fois. Moi-même, je suis allé jusque dans son village, à Magenta, au Madagascar. C'est un ami vraiment personnel, donc il fait profane dans cette affaire. On peut demander que aucun croyant n'a pas perdu quoi que ce soit. Bien au contraire, la FECOFA sera encore plus renforcée. Déclaration de l'entraîneur. Je crois que vous avez observé. Entre autres, je suis entré dans la salle en retard. Parce que depuis cette déclaration, je n'ai pas personnellement, en tant que président, eu l'occasion d'échanger avec lui. Juste au lendemain de notre élimination et les conditions dans lesquelles l'équipe devait repartir avec la mort de notre ami Maître Washington, à l'instant même de l'élimination dans le vestiaire, dans mon discours, j'avais, au nom de la fédération, renouvelé la confiance à l'entraîneur. Je lui ai dit de continuer le travail. Il a batté et qu'il avait la confiance de la fédération. Ça a suivi cette déclaration dans la presse. J'étais à l'étranger. Je suis revenu il y a 72 heures. J'ai vu l'entraîneur tout à l'heure. On en a parlé en liminaire, mais je lui ai dit que pour le moment, il devait d'abord s'occuper de la préparation de l'équipe nationale et qu'il n'était pas à l'ordre du jour de débattre de tous ces problèmes. Sport toujours, Vital Club, vous savez, accède à la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF, les Dauphins Noirs, y accède aux dépens de l'équipe gambienne de Port Authority. Vital Club l'a emporté par 2-0, vous le savez, 2 buts inscrits de la tête par Ernest Zungira et par le défenseur central équato-guinéen Francisco Ondo. Éliminé TP Mazembe et réservé au barrage de la Coupe de la CAF, une compétition dont les portes se sont fermées sur Sa Majesté Sangabalende et le FC Renaissance du Congo. Paul Kazozo. Deux coups de tête mortels ont suffi à l'ASV Club pour sceller l'essor de l'équipe gambienne de Port Authority, battue sur le score de 2-0. Le premier but signé à la 39e minute du Rwandais Ernest Zungira de la tête. Zungira, comme monté en hauteur, a placé son cuir chevelu en conclusion d'un centre de Golingonda Muzinga de gauche à droite. Club mène au tableau d'affichage et Moscou est en fête. À la reprise, à 1-0, pas d'assurance pour V-Club sous la menace d'une éventuelle égalisation de Gambien. La belle assurance, un deuxième but synonyme de fin de suspense. Ces buts, le deuxième et le tout dernier de la rencontre,
Le club l'obtient à la 76e minute. Sur un corner de Guy Loussadissou de gauche à droite, une tête offensive en ce match échoue sur la transversale avant la reprise de la tête aussi de Francisco Ondo Obama qui met la balle au fond. À 2-0, au dernier coup de sifflet, le match est tué, avec club en quart de finale. À Harare, pas de miracle pour Mazembe, nullement tout puissant. Comme au passé, Mazembe contraint au partage égalitaire de nul vierge. À la faveur du nul d'un but partout à Lubumbashi, Mazembe s'écroule puisqu'éliminé de la Ligue des Champions, mais réversé au barrage de la Coupe de la CAF. Son pari réussi, Cap United à la phase de groupe de la Ligue des Champions de la CAF, Coupe de la CAF, où la RDC est sans voix avec la double élimination de Renaissance et de Sa Majesté Sangabalende. À Mazembe d'y lever son doigt. Monsieur André Ambena, malheureusement on n'a plus beaucoup de temps, mais tout cela, ce sont des éléments que nous allons commander à l'extérieur ou qu'il faudra fabriquer ici au pays. L'industrie locale est encore très pauvre, comme vous le savez, donc tous les éléments, nous allons les commander à l'extérieur. Notre pays dispose de 12 900 km de voies navigables, ce qui est quasiment un réseau routier important. Il suffit de... Ça nous coûterait à peu près combien, puisque vous avez fait des analyses? Le bateau, c'est dans les 6 à 7 millions de dollars. 6 à 7 millions de dollars, un seul. Un seul bateau. Et il en faudra combien pour couvrir autant nous avons des rivières et des lacs, autant il faut des bateaux. Ah non, ne dites pas ça. Autant nous avons des rivières et des lacs, oui. Autant nous aurons des bateaux. Puisque chaque bateau... Parce que vous dites que c'est un bateau qui ira partout dans toutes les rivières. Alors, vous dites autant de rivières, autant de bateaux, oui. Ce sera impossible. On peut même avoir plus. Puisque, prenons par exemple... un bateau qui fera le fleuve, Kinshasa-Kisangani, il ne pourra pas naviguer sur le lac Tanganyika, encore moins sur le lac Kivu. Donc, les bateaux seront calibrés suivant la configuration de la rivière, son importance. Les plus grands bateaux seront conçus pour les grands axes et au fur et à mesure, des petits. Vous savez, en Amérique, on aime beaucoup des rêveurs, des gens qui réfléchissent. Mais maintenant, la population va se poser des questions. Nous aurons à y répondre dans une émission plus importante, si bien entendu, les réactions nous viennent de la part de nos téléspectateurs à qui nous avons donné un peu du miel, nous avons mis du miel sur leur langue. Ce journal est maintenant terminé. Vous suivrez juste après ce journal la revue de presse. Dans une sélection d'Amène Dimoigny. Ce journal est terminé. Merci également pour ceux qui nous suivent sur le bouquet CPLA TV, capté dans 24 pays en Afrique et dans le monde. Il faut toujours commencer quelque part, n'est-ce pas? Bonsoir et à demain. Retour tout d'abord à cette vidéo atroce mettant des éléments FARDC en cause. À ce sujet, le phare révèle massacre au Kasaï central, les masques commencent à tomber. Comme quoi, c'était donc vrai. Et pour preuve, après les enquêtes diligentées, cet élément FARDC aux arrêts. Géopolis, dans ses pages antérieures, revient sur les détails. L'annonce de l'arrestation de cet élément FARDC a été faite par l'auditeur général lui-même.
au journal de rappeler que jusque-là, la position du gouvernement a été de présenter cette vidéo comme simple fruit d'un grossier montage. Ce qui entre en contradiction avec la position de l'auditeur général en rapport avec cette vidéo. L'auditeur qui révèle en plus de tout ça l'existence de deux fosses communes dans les régions en proie à ces violences. Et au sujet toujours de la milice Kamuina Sampou, police informe que le vice-premier ministre Ramazani Shadary, après compromis avec la famille du défunt, promet que le corps de ces derniers sera exhumé afin de la présentation des restes du corps à la famille et au groupement avant qu'intervienne l'inhumation selon les rites coutumiers. Autre point évoqué au cours de ces pourparlers entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et les proches du défunt chef Kamuina Sampou, la libération de tous les détenus en arrestation à cause de cette affaire. Forum des As aussi revient sur cette mission de restauration de la paix dans les Kassai. À côté des faits toujours sacrés, une centaine de miliciens qui se sont rendus. Un commentaire libre du journal, cette mention spéciale au vice-premier ministre Shadary qui a privilégié l'option de l'écoute et du dialogue conformément aux instructions du chef de l'État, avis du journal. Voilà qui fait dire à Congo Nouveau qu'Ananga Shadary gagne son pari. Autre chose à présent au sujet des travaux de l'arrangement particulier au centre interdiocésain, revenons à Forum des As qui, dans son riche éditorial de ce lundi, signé par José Nawesh comme d'habitude, donne cette réflexion. Le temps est arrivé où le leadership du rassemblement doit apprendre à arpenter le boulevard Tchatchi ou à rouler sur cette artère qui mène au palais de la nation. Car s'il a cessé d'être l'alpha et l'oméga de la scène politique RD congolaise, M. Kabila, comme on le désigne à l'UDPS, est encore la pièce maîtresse du puzzle. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, impossible de faire sans lui et même contre lui. Réalité qui peut ou n'est pas être du goût de beaucoup dans l'opposition radicale, elle n'en est pas moins incapable. Inversement aussi, précise le journal, pour la Kabylie, qui sait désormais ce que signifie l'inclusivité pour accepter d'être à la base d'un blocage. Et les rassemblements, la revue Renaissance dans sa livraison du mois de mars-avril, on parle rassemblement des gens en pièces détachées, titre à lire absolument à la une du magazine. L'article signé par Freddy Moulumba revient sur l'historique même de cette crise prévisible après la disparition du leader Maximo. Autre article à lire dans le magazine, les dessous des cartes du report du rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa. Fin de cette revue. Au revoir.